Good evening, listeners. Tonight's a big night for the Corcrest Stags. It's prom night for the class of 2015. It's also the anniversary of the tragic accident that struck our town exactly 50 years ago tonight. That's kind of depressing, Mom. It's prom night. Can you switch it to music? You're right. They've been talking about the accident all week. We'll be there soon. I can't wait to see my crew. This night is going to be the best. Come on, Mom, smile. Hey, I'm driving. Bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gameuses et bienvenue à tous et à toutes pour un nouveau playthrough. Aujourd'hui nous allons jouer à Fantasmat, une nuit sans fin édition collector. C'est toujours Nathanael, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter un peu la série des Fantasmat parce que c'est un peu particulier. C'est une série Big Fish Games en collaboration avec Epic Worlds. Mais ce jeu a une particularité par rapport à d'autres jeux d'objets cachés normaux, c'est que vous allez voir, les personnages se dégradent. C'est-à-dire que c'est le troisième épisode, et à chaque épisode, vous rencontrez des personnages, mais ceux-ci deviennent de plus en plus sombres, et leur dessin se dégrade. Enfin bref, vous verrez par vous-même, c'est vraiment des jeux très particuliers. Donc nous jouons aujourd'hui au troisième épisode qui est sorti il y a à peu près une semaine, voire même peut-être deux. Et du coup, je n'en dis pas plus, tout est réglé. En mode normal. Et je vous laisse la cinématique. S'il y en a une. Oh, le petit cerf, il est trop mignon. Ouais, en fait, il me fait un peu plus peur, quand même. Oh. Que quoi? Ah oui, c'est en rapport avec la cinématique. Ah, ma tête, j'espère que je n'ai rien de cassé. Aimé? Où est-elle? Il faut que je sorte vite de cette épave. Donc, qu'est-ce que... Ah, j'ai plus de batterie. Bip bip, 911, allô? Pas de réseau? Comment est-ce possible? On est en plein ville. Ah, ma batterie est morte et je n'ai pas de chargeur. Impossible d'appeler Aimé. Mince. Donc, du coup, nous incarnons une jeune femme qui va déposer sa fille au bal de fin d'année. Et... ça fait une semaine que la ville va fêter les 50 ans d'un tragique événement, une mort de plusieurs centaines d'étudiants. Excusez-moi, je bois en même temps. Et du coup, nous avons un accident de voiture au mauvais moment. Ah là là, les mères de famille, hein. Toujours surmenées, bah du coup après, ça a plein d'accidents. Alors... on va essayer de s'en sortir. Impossible d'ouvrir la portière, je dois casser le pare-brise pour me dégager. C'est le bouquet d'Aimé, mais où est-elle? Oh! Il y a des yeux à récupérer, trop bien! Je peux allumer la radio? La 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 la! Alors, comment je vais pouvoir dégager le pare-brise? Les portières sont bloquées, il me faut une autre issue. Ouais, mais... comment je vais faire? Ça commence bien, je ne sais pas. Ah, attendez. Un portefeuille. Voilà le journal du jour. C'est l'anniversaire de la tragédie qui fait la une. Commémoration du 50e anniversaire du drame de Corcrest. Les cérémonies auront lieu dans le gymnase du lycée de Corcrest. C'est le lieu exact où les victimes empoisonnées par les gaz de l'explosion de l'usine voisine ont trouvé la mort lors du bal de promotion 1965. Une chaussure. Alors, ok.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pièce. Il n'y avait rien d'autre. Ok. Oh non, ma bagnole! Je l'avais à peine achetée, j'ai le conquis au concessionnaire. Tu ne la retrouveras jamais. Que? Oh! Qu'est-ce que c'était? J'ai dû me cogner la tête vraiment fort. Ouah! Ah non, si c'est comme dans King Mystery Caseville, je vais pas faire long feu. Je vous préviens tout de suite, je vais pas faire long feu. Ok, bon, alors on sort de la voiture. Waouh, c'est beau. Attendez une minute. Tout cela est fort inquiétant, on dirait que j'ai été transporté en 1965. What? J'étais dans ma bagnole et tout d'un coup je me retrouve en 1965. Ok. Un œil. Une fusée de détresse. Pratique. Qu'y a-t-il dans cette voiture? Oh! Une scène d'objets. Attendez. Je dois isoler ces fils, je n'ai pas envie de me faire électrocuter. Non, ça serait pas trop le but. Non. Comme ça. Alors, il faut que je récupère des objets qui vont me permettre de faire d'autres choses. Je dois enlever la vis. Non. Un décapsulaire et un verrou de glacière. Waouh. Enfin, je nettoie tout ça. Non. Et qu'est-ce que je dois faire? Un décapsuleur. Si seulement j'avais un truc à décapsuler. Or, ce n'est pas le cas. Non, dès le début du jeu, je me retrouve bloqué, quoi. Ah, mais non, je l'aime pas. Je ferais mieux d'éviter de me mettre de la graisse sur les doigts. Ah, attendez. On va recommencer. Alors. Là, il faut que je coupe la sangle. J'ai pas de truc pour couper. Là, il y a aussi quelque chose. Là, il y a des fils dénudés. Je peux rien faire de plus. Oh! Décapsuleur! Ah. Super! Ah, attendez. Oh! On a des mini-scènes dans des scènes! C'est what the fuck? La règle. Et enfin. Un truc muge, un forêt. Ouais! J'ai récupéré une clé à laine. Et du coup, on a récupéré une pince. Avec la pince, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non plus. Réfléchissons. Avec la pince, génial. Là, du coup, j'ai récupéré un chiffon. On va pouvoir nettoyer tous les bouts de verre. Et j'ai récupéré un cutter. Avec ce cutter, je vais couper, hop, le fil de la glacière, on va mettre le verrou, schlap, mandarine, un cookie, ouais, canette, du raisin, de la choucroute, et une pastèque. On a récupéré un couteau. Ah! Hop, de la graisse. Et nous avons trouvé un creek.
Et en plus, il est en 3D, c'est magique. Il tourne sur lui-même, il fait tout lilol. Alors, commence à bien flotter. On va essayer d'avancer. Ce fronton fait tellement vieillot, il y a quelque chose derrière la plaque. Un insigne de cerf. Le cerf a l'air d'être prédominant, si on peut dire ça comme ça. Wow, il y a plein d'épines. Je vais rien pouvoir faire pour l'instant. C'est le foulard de ma fille? Qui était-ce? Aurait-il enlevé Aimé? Il ne peut pas faire ça. Du dissolvant. On va soulever tout ça. Allons-y. D'où ces ombres sont-elles sorties? Il n'y avait personne. C'est flippant. C'est super flippant. Alors là, il y a un truc, c'est marqué Billy. Merci, une carte. Au moins, je vais savoir où me diriger. Pam, 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 on a récupéré une carte. Ok, d'accord. Alors, attendez. On va essayer de trouver un œil. Bingo, j'ai trouvé un œil. Ça nous en fait 3 sur 41. Bonjour monsieur. Écoutez bien, ça va être la folie ce soir au bal de la promotion 1965 du lycée. Ce message est pour tous les lycéens de Corkcrest. Je suis remonté 50 ans en arrière. Cet accident à l'usine s'est passé la nuit du bal de la promotion. Tout ceci commence à être très étrange. On va pas aller tout de suite dans le couloir. Labo de chimie. Ah ! Partez où ils vont vous entendre ! Ils vont nous trouver ! Mais que fait-il ici ? Dans une classe pendant le bal ? Et pourquoi est-il vêtu comme un personnage de la télé des années 60 ? Alors, nous avons une carte. Nous sommes donc dans le hall d'entrée, il y a le parking. Et il y a des objectifs en cours, ok. On va aller là. Très bien, c'est cool. Oh oh! Un signe du cerf! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Ouais. Tournez les boutons pour libérer les bois. Faites-les coulisser d'un côté ou de l'autre pour ouvrir la vitrine. Le bois et de 1. Ah, attendez. Hop. Et hop. Et enfin, du coup, logiquement, comme ça, on libère le dernier bois. Mais... Ah! Terminer un mini-jeu en moins de 2 minutes. Pas mal. Terminer un mini-jeu sans passer. Wouhou! Qu'est-ce qu'il y a ici? Notre ville est petite mais nos lycéens sont très actifs. C'est mon père à gauche. Il est si jeune. Samuel Blair et Wilbert Carter, major de promotion 1942. Cœur. Qu'est-ce que... Qui était-ce? Ça ne peut pas être le même homme. Je l'ai vu entrer dans l'école il y a une seconde. À
À moins que ça soit... un fantôme. Non, je déconne. Alors, on va avancer dans le couloir. Maman, au secours! J'arrive! Que... hein? Pas ma fille, sale monstre! Laissez-la! Entrez dans le gymnase. Ok, nouvel objectif. Ouais, bah, y a ma fille qui est en train de... essayer de s'en sortir, et moi, je pense qu'elle a mangé des bonbons. Je veux des bonbons! Je n'y vois plus rien, pas plus loin que le bout de mon nez. Il me faut de la lumière, et vite. Ah ouais, donc, clairement, on va pas pouvoir avancer pour le moment. Donne-moi un indice. Donne-moi un indice. J'ai un disque, une serrure de cœur, un ouvre-boîte, du dissolvant, une fusée de détresse et un journal. Que... lieu où je dois faire quelque chose. Clairement, apparemment, je peux avancer. Ah mais oui, fusée de détresse. Voilà, maintenant je sais où je marche. Interdit aux élèves. Il semble manquer des éléments à cette serrure. Ok, donc on va pas pouvoir l'ouvrir tout de suite. Très bien. Génial, un plaisantin a bloqué le casier avec du chewing-gum. Est-ce que je peux ouvrir l'autre? Non, apparemment, il n'y a que celui-là qui nous intéresse. Non plus. Allons-y. Where is your prom invitation? Où est votre invitation pour le bal? You don't have it. Vous ne l'avez pas? Alors vous ne passez pas! Je veux juste récupérer ma fille, s'il vous plaît! Ces surveillants ont toujours su faire preuve d'autorité. Trouver une invitation pour le bal. Oh non. Je vous jure, madame, j'ai rien fait de mal! Je voulais juste récupérer ma fille. Alors, attendez. Et que je sais pas que dois faire. Oui, c'était pas français, mais c'est pas grave. Alors là, oh, j'ai des trophées. Là, j'ai récupéré ça. Regardez les crédits en entier. Trouver tous les symboles d'œil. Collectionner des souvenirs. Trouver, terminer une soc sans indice en moins de 60 secondes. Terminer une soc sans aucun indice. Bah, j'ai terminé une scène d'objets cachés sans aucun indice. Terminer une soc sans erreur. 4 objets en 8 secondes. Oh la vache! Ça va être chaud patate, mais je pense qu'on peut y arriver. Enfin, si on fait pas toutes les récompenses, vous me connaissez bien. Je ne suis pas du genre à m'énerver pour ce genre de détails. Il faut que je trouve une invitation. Bon. Alors, pour trouver une invitation, comment je vais pouvoir faire ? J'ai pas grand chose pour l'instant. Là, du coup, j'ai tout fait, je pense. Bon, à part là, le bus, mais le bus, je vais pas pouvoir faire plus. Là, pareil. À moins que je trouve le code, mais là encore, j'ai un doute. La graisse. Ah, et puis je déteste utiliser le... ah, bingo, ouvre boîte. Ah, génial, les clés.
Allons-y. Une loupe. Une piqûre. Ouais, sauf que... pas plus d'éléments que ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec une loupe? Une loupe sale et une seringue vide. Ah, je peux rien faire d'autre en plus. Hein. Fuck. Indice. Apparemment, j'ai toujours un truc à faire ici. Utiliser la seringue sur elle. Une loupe. Une serrure en forme de cœur. Bon, eh bien écoutez mes chers amis, on s'arrête là pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, à partager avec vos amis. On se retrouve demain pour le bal de fin d'année 1965, et j'espère qu'on va retrouver notre fille d'ici là, parce que ça commence à être très angoissant avec les surveillants et l'établissement en ruine. Merci à tous et à toutes de m'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, à demain.